On se maquille ensemble pour l'anniv de mon ami. Alors, c'est parti! J'ai déjà bien hydraté ma peau et je commence toujours par les yeux. Je vais utiliser cette palette de chez Morphe. Je prends la couleur qui est juste ici. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Ensuite, avec cette palette toujours de chez Morphe, je prends ce fard à paupières avec un pinceau et je vais le placer dans mon creux de paupière. Alors là, je vais tracer un trait au ras des cils avec un fard noir. Et ensuite, je vais l'estomper. Pour finir avec les yeux, je prends la couleur marron plus foncée de la palette et je vais l'appliquer ici au niveau du coin externe de mon œil. Je vais appliquer le fond de teint de chez Giorgio Armani. Alors là, je vais le tapoter. Et tapoter, c'est l'action de faire ça. Je tapote. Bronzer de chez Fenty, je vais le mettre ici, hop, et ici. Anti-cerne de chez Too Faced. Blush de chez Milk. J'ai déjà appliqué ma poudre fixante de chez Kylie Cosmetics. Et là, je vais appliquer du mascara. Non, mais vous voyez la différence? C'est incroyable. Rouge à lèvres de chez Lancôme. Voilà. Pour l'outfit, je vais porter ça. Ouais, je sais, je kiffe, vous kiffez, on kiffe. C'est hyper beau, j'adore. Et alors, c'est ça avec ce pantalon. Oh, quelle élégance, celle de la France. Alors, la partie la plus importante est de sentir. Bon, et pour ça, j'ai deux parfums de chez Dossier. Les parfums de chez Dossier sont fabriqués en France. Dossier ne testait pas sur les animaux. Et les parfums sont vegan aussi. Allez go, on va choisir. Amstram Gram Pique Pique Collé Gram Bourré Bourré Ratatam Amstram Gram Pique. Voilà. N'hésitez pas à utiliser mon code promo et à profiter de leur promotion du Black Friday. La fête était super. C'était une fête surprise pour fêter les 25 ans de mon ami Ale. En fait, on a réussi à garder le secret pendant 2 semaines. Mais regardez comment elle est belle. Elle était trop contente. Il y avait de la nourriture et j'ai trop, trop, trop mangé. Mais genre, j'ai bouffé quoi. Et aussi, j'ai joué au bingo pour la première fois.